Bon, les amis, j'ai vu que vous avez de la peine à répondre à la dernière question qui était simple et en même temps pas si simple. Quelle était la différence entre deux formes de notes qui se succèdent mais qu'on n'appelle pas la même chose? Ah, c'était ce morceau-là que j'ai par bonheur en partition, qui est Moonlight Sonata, la sonate au clair de lune. C'est la deuxième image. Sur la première image, vous avez Do maj 7 répété sur le clavier, puis après vous avez Fa maj 7, puis après une sonate la mineur, mineur, ben, je sais plus, j'ai regardé comme ça. Et je vous ai demandé quelle est la différence d'appellation. Ces deux façons. Alors, je vais vous faire écouter. Déjà, les Do maj 7. Répétez sous clavier. Vous entendez le bruit que je fais? Le son que je ferai, pas le bruit, c'est du son quand même. Le son que ça fait? Pose par marche 7. Peu importe le nombre d'octaves hein, qu'on fait. N'essayez pas trop tricoter avec les doigts, essayez de trouver une logique qui vous convient par rapport à votre morphologie de main. Hein, vous n'avez pas la même morphologie que moi qui suis une petite asiatique. Si vous êtes un grand Sénégalais, par exemple, hein, alors vous vous adaptez. Et ce son. Avec ce son. Là, je vous mets juste la main gauche par plaisir. C'était là. Je l'avais pas du tout quand je jouais. Ni Do maj 7. Je les jouais égal. Mais là, il y a un rythme. Et on va y aller à quatre fois, puis après.
pardon. Je pourrais le mettre. Mais alors, du coup, ça s'appellerait comme l'autre, si je fais. Tu as quatre à faire. Alors, tu sais, tu as quatre à faire. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Deux, un, deux, deux. Un, deux. Un, deux, trois. Alors ça, non. Quel est le nom du et quel est le nom de l'autre quand on fait? Et l'autre, comment ça s'appelle?